Lane, c'est un service qui est pensé pour vos contraintes du quotidien. C'est un service sans réservation. Si vous voulez covoiturer en tant que passager, vous vous rendez à un arrêt Lane et vous n'avez qu'à faire une demande via une borne ou l'application. Votre demande est affichée sur des grands panneaux lumineux tout autour de l'arrêt. Elle est reliée par des notifications qui sont envoyées au conducteur. C'est une solution apportée par les collectivités pour ne plus dépendre de sa voiture au quotidien. Je m'appelle Maryse. Je m'appelle Paul-Jean. Moi, c'est Séverine. Je suis Yannick. Je m'appelle Annecy. Moi, c'est Frédéric. Je suis passagère et avant, j'étais conductrice. Je suis conducteur. Conductrice et passagère. Je dirais que je suis pour deux tiers passager, un tiers conducteur. Aujourd'hui, passager essentiellement. J'ai été conducteur pendant un peu plus de 6-8 mois. Je suis conductrice depuis le mois de mai. On peut dire réseau, et puis en réfléchissant un peu plus, le mot qui me revient à l'esprit, c'est instantané. C'est le point fort de Lane aujourd'hui, je pense. On vient quand on est prêt à la borne, et puis ben, on trouve un conducteur vraiment rapidement. Le matin, c'est instantané. Oui, de relations un peu humaines, de compassion, de connaissance des gens, c'est chouette. Joindre l'utile à l'agréable. Écologie. Donc pour nos enfants, il est quand même urgent d'avoir une prise de conscience, je pense. Simplicité, en fait, c'est on se prend pas la tête, il n'y a pas de rendez-vous, on se présente à la borne, on lance l'appli, on attend 5 minutes et on a quelqu'un, quoi. Donc. Souplesse. Ensuite, il y a un côté économique pour moi aussi. Ça me divise mes frais de transport quasiment par deux. Ce matin, j'avais même pas fait la demande qu'un conducteur est passé. Il me dit « mais je vous suivais en descendant la route et j'ai vu votre trottinette ». Je me suis dit « c'est Lane ça ». Donc en fait, il s'est arrêté en même temps que moi à la borne, donc instantané pour le départ. Alors une anecdote, c'est qu'un matin, on s'est retrouvé 4 personnes en même temps à la borne Lane. Donc on est monté tous les 4 dans la même voiture et on s'est retrouvé les 4 mêmes à la même heure le soir. On est reparti les 4 dans la même voiture. Chaque semaine, hein, ce sont des centaines de personnes, qu'ils soient conducteurs ou passagers, qui bénéficient de ce service. Mais chaque jour, il reste encore beaucoup de places qui sont inoccupées, qui sont vides dans les voitures. Essayez Lane, ça fait du bien à la planète et vous faites des économies.